Journal du 18 avril 2018, et je ne sais pas où j'ai mis mes freins. J'ai un rendez-vous vers midi à Paris, et je me suis rendu compte que mon frein commençait à être vraiment bien usé. Et je sais que j'en avais acheté sur internet, en plus on n'en trouve plus, c'est des rollers où on peut enlever le bas. Et j'en ai trouvé sur internet, mais je sais plus où. Ok, donc on filme pas au bon moment. Ah, j'aurais fait le buzz hein, si on avait vu ça me tomber sur la tête. Putain, ça m'a frôlé quoi. Je suis vraiment un glandu quoi. Je cherche un frein et je trouve un téléphone filaire. Ok. Des raquettes de tennis, je ne savais pas que j'en avais. De la tapisserie. Des rollers, pas à ma taille. Ok. Oui. Oui, 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 avec les protections. Bon, reste plus qu'à faire de la mécanique et c'est là où je suis le moins doué. Se mettre sur un canapé pour faire du bricolage, c'est déjà la meilleure des idées. Je n'ai pas fait de roller depuis 2 ans presque, depuis l'époque Pokémon Go. Pokémon Go en roller pour faire éclore les œufs, c'était plutôt cool. Pourquoi ? Parce que je roulais de nuit pour attraper un Pokémon, je regardais pas trop la route. Je vois 2 SDF sur le côté de la route, du coup je m'écarte pour les éviter, pour pas leur rouler dessus. Sauf que j'avais pas vu un petit truc en métal qui sortait du sol. Mes 2 roues de devant se sont tapées dedans, j'ai été éjecté, j'ai volé et je me suis éclaté sur le sol. C'est les 2 SDF qui m'ont aidé à me relever, ils étaient très sympas. Et je me suis fait très très mal à la cage thoracique. Encore, c'était la 2e fois en roller. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai quasiment plus fait de roller. C'est pas les bons freins. C'est pas les bons freins. Bah si, c'est les mêmes freins. Faut que je force. Putain de cul. Baise. C'est les mêmes. Mais il est plus large. Et il est plus petit. Oh, putain. Vu que ça se trouve plus, j'en ai acheté 3. Putain. Non mais putain de merde de cul. De baise, putain. Putain, il rentre. Il est rentré. Mais je vois pas le trou. Putain, il rentre. Il est rentré. Je vois pas le trou. Mais rentre, putain. Me regarde pas comme ça, Ten. Et range ta langue, putain. Range ta langue, je te dis. Certains vont me dire, oui, il fait des rollers sans les freins. Oui, c'est bon, pour me péter la gueule. Et pour niquer encore plus mes roues. Ça va. Sauf que je vais jamais réussir à rentrer ça dedans, quoi. Faudrait que je lime un peu sur les côtés. Putain, j'ai réussi. J'ai réussi en forçant. J'ai réussi en forçant. Je suis trop fort. Le roi du bricolage. Je suis... Mais où est passé Davy Maurier? Trouvons-le ensemble. Le roi de la bricole. Eh oui, bravo. Il est hors champ. J'arrive pas à visser. Je suis pas tant le roi de la bricole que ça. Allez putain, visse-toi. Pas en diagonale. Ah, tu tournes de l'autre côté. Ah putain, de cul de baisse. Putain. Je vais perdre mon frein en roulant tout à l'heure. Je vais me casser la margoulette comme dirait ma mère. Retrouvez très prochainement dans les bacs La Margoulette, le nouvel album de Davy Maurier. Avec des titres comme Le roi de la bricole. J'ai réussi en forçant le roi du bricolage. J'ai réussi en forçant le roi de la bricole. Ou encore, je vais perdre mon frein. Je vais perdre mon frein en roulant tout à l'heure. Je vais perdre mon frein en roulant tout à l'heure. Je vais perdre mon frein en roulant tout à l'heure. Je vais perdre mon frein en roulant tout à l'heure. Ainsi que son titre phare, La Margoulette. Je vais me casser la margoulette. La margoulette. La margoulette.
comme dirait ma mère. Et en bonus track, je vois pas le trou. Putain, mais rentre. Il est rentré. Je vois pas le trou. Ah, me regarde pas comme ça, Ted. La Margoulette, le nouvel album de Davy Mourier, sorti le 12. Putain. Ça va, là, ça tourne. Je suis presque content parce que d'habitude, quand je fais du bricolage, je perds 3 heures. Et au bout d'un moment, je dis, bah, je referai plus jamais. Et je recommence que 2 ans plus tard. Alors, certains vont dire, Davy, t'as juste changé un frein de roller, quoi. Ouais, mais pour moi, changer un frein de roller, ça veut peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que je suis libre de rider et de me péter la cage thoracique tous les 2 ans. C'est ce que je fais en général. Putain, j'ai changé un frein. J'ai changé un frein tout seul. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Trop fier. Hashtag lover. Non, hashtag roller. Roller. Et range ta langue. Allez, c'est parti. On va se péter la gueule. Tu viens avec moi, Ten? Non? Oui? Tu viens? Ah non, tu es trop couché. Ok, j'y vais. À tout à l'heure. La win, la victoire, pas tomber. On va essayer de pas tomber. Et mon frein marche. Attention aux enfants. Ça, en montée, c'est moins cool. J'ai failli me viander parce que j'ai mis ça. En fait, on peut le mettre indépendamment du côté gauche et du côté droit. Et d'habitude, mon frein, je le mets du côté droit. Et là, je m'étais trompé, je l'avais mis du côté gauche, j'ai voulu freiner. Je suis rentré dans le mur, quoi. Voilà, c'est fait. Maintenant, je rentre et j'écris la BD qu'on co-écrit avec Poulpe, Alain au Pays des Merveilles, puisqu'on a rendez-vous demain matin avec Poulpe. Et j'ai rien fait encore. Ouh. Putain, t'as pas bougé, quoi. T'as pas bougé. Bon. Je vous donne la réponse de la question d'hier par rapport à mon jeu sur les gens qui sont morts. Les vrais gens qui sont morts célèbres. Beaucoup de gens ont trouvé, mais n'avaient pas la solution en entier. Donc voici la réponse complète sur Auguste Joseph Renaud qui est mort le 11 novembre 1918 en Belgique dans une tranchée. Pourquoi est-il mort? Pourquoi se rappeler de sa mort? Note pour plus tard, ma casquette est trop serrée. La Grande Guerre de 14-18 s'est arrêtée le 11 novembre 1918 à 11h du matin. Tout le monde était au courant que la guerre allait prendre fin. Alors, dans un dernier baroud d'honneur, les deux factions opposées se sont tirées dessus toutes leurs balles. À 10h58 du matin, Auguste est touché mortellement par un morceau d'obus, avec de grandes chances que ce soit un obus français. Il est le dernier mort de la guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Pas de chance. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas acheté, mais on m'a donné ça. Ce qui est pas mal. Voilà. Et sinon, j'ai aussi ça. Ça, vous le verrez demain. Je vais à la soirée de lancement du livre de Julien Méliel, Tabou. Sur le plus tabou des sujets. Et donc, c'est le caca. Et ça tombe plutôt bien, parce que j'ai besoin de lui parler de certains trucs que je vis en ce moment. Tu peux regarder d'autres vidéos, si tu veux. Moi, je force à rien. Et tu peux t'abonner à ma chaîne, si tu veux. Je te force pas non plus.